Pour Chris Mark, il est temps de briser certains tabous du domaine médical. L'incontournable danseur de Danse avec les Stars est de passage dans les yeux d'Olivier, présenté par Olivier Delacroix sur France 2 ce mercredi 17 janvier, une émission consacrée aux erreurs de diagnostic et aux violences médicales. Il souhaite évoquer le diagnostic de sa fibromyalgie, une maladie chronique qui provoque chez les patients atteints des douleurs articulaires très fortes dans tout le corps, en plus d'une grande fatigue et de troubles du sommeil. Si l'on estime qu'1,6% de la population est atteinte de cette affection, selon le ministère de la Santé, le médecin que la star avait consulté à ses 19 ans a pourtant tardé à lui diagnostiquer. C'est ce qu'il relate dans un extrait publié sur le compte X de l'émission le 13 janvier dernier. Retour à l'année 1997. Chris Mark n'est pas encore un grand nom de la danse, mais il a un pied dans le milieu grâce à sa partenaire Jacqueline Spencer, championne de la discipline rencontrée à Londres, avec laquelle il performe en danse latine. Pourtant il y a un couac, il se sent fatigué en permanence et tombe souvent malade. Son médecin lui diagnostique dans un premier temps la maladie de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique. Je ne sais pas trop quoi lui répondre, témoigne l'artiste aujourd'hui âgé de 45 ans. Les analyses infirment pourtant cette hypothèse au bout de quelques jours. Supérieur à Lara Fabian, Michel Siemes, Céline Dion. Les stars qui ont brisé le tabou de la maladie en 2022 c'est le sida, Chris Mark marqué par le diagnostic de son médecin le docteur tente donc de trouver une autre explication aux symptômes de son patient. Ça paraît tellement irréel presque 20 ans plus tard et c'est resté gravé dans ma tête, ce même médecin, quelques jours plus tard, me pose des questions de type, quel est votre métier? Vous êtes danseur professionnel? Chris Mark lui répond qu'il est danseur de haut niveau. C'est alors que le professionnel de la santé lui diagnostique une nouvelle maladie, sans pratiquer d'analyse, ah. Je pense savoir ce que vous avez, c'est le sida, raconte l'invité d'Olivier Delacroix. Et l'animateur de traduire le propos du chorégraphe, dans la tête du médecin, vous êtes danseur donc vous êtes homosexuel, donc vous avez le sida. Des années plus tard, Chris Mark est en colère d'avoir été victime de ce préjugé médical. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment on est tombé sur ce diagnostic, avec les dizaines de tests qu'on avait fait auparavant, je suis convaincu qu'ils avaient bien dû faire ce test avant, explique le pro du cha-cha-cha et du tango. D'autant plus qu'à l'annonce de cette hypothèse, celui qui n'avait pas 20 ans encore a été pris de panique, c'est la première fois que j'ai peur et que je considère que peut-être je n'ai qu'une seule maladie globale qui n'arrête pas de revenir. Après ces deux erreurs et deux ans d'errance médicale, il finit par consulter un autre médecin, qui lui trouve enfin sa fibromyalgie. Les souffrances de Chris Mark sur le tournage de Danse avec les Stars. Il aura fallu du temps avant que Chris Mark n'ose parler publiquement de sa maladie. Invité dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, diffusée sur Europe 1 le 9 juillet dernier et reprise par Paris Match, la star de TF1 a révélé que lorsque le diagnostic est tombé, il a décidé avec sa femme, Jacqueline Spencer, de garder secrète sa maladie. On a décidé de garder ça pour nous, car on ne voulait pas que le monde décide pour nous quel allait être notre destin. Tant que cette information était privée, on pouvait encore décider de nos carrières, dévoilait-il. Son affection l'a en outre handicapé pour le tournage de Danse avec les Stars, le professionnel de la danse souffrant notamment de fortes fièvres et de douleurs intenses qui pouvaient durer des semaines, parfois même de convulsions. Crédit Photo, agence. Thank you.
just me.